Allez, salut tout le monde, c'est Tadjurik Pérassi, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 15 de notre aventure 100% sur Super Mario 64 The Green Stars. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien, voilà, c'est bon, je vais juste un peu les oreilles bouchées. Souvenez-vous du coup, dans l'épisode précédent, on avait réussi à terminer Ghost Recon Galaxy, on avait commencé Bio Base Galaxy, dans lequel on avait obtenu une étoile bleue qui nous avait permis tout simplement de débloquer la Galaxie des Épreuves. D'ailleurs, Galaxie des Épreuves, si cela ne vous dérange pas, on va s'y attaquer maintenant. Voilà, autant comme ça, au moins c'est fait, on finit avec ce... Enfin, on finit ça. Donc, je sais pas si on pourra faire les trois aujourd'hui, mais on va au moins faire... C'est pas trop demandé à en faire au moins un, vous en serez le meilleur des mondes. Alors si je dis pas de conneries, ça c'est l'épreuve de l'électricité. Bubble Blast Galaxy, voilà, Green Star, oh my fucking god. I'm fucking scared. Alors je ne vois pas d'étoiles. Alors à mon avis, je veux pas dire, hein, mais à mon avis, l'étoile elle est certainement quelque part dans lequel il faudra utiliser ça. Bon, on va faire le truc normalement, d'accord. Peut-être elle est dans l'autre partie, hein, mais dès qu'on entendra le bruit de l'étoile, on saura où aller. Non, là, j'ai pas l'impression d'attendre une étoile. Non, il y a pas d'étoile là. Excuse-moi, je viens de manger en fait, donc la digestion se fait. Allez, seconde. Allez, hop. Pas de bruit d'étoile. En fait, vous voyez, là-dessus on peut y aller. Donc je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas l'étoile là-bas, vous voyez. Mais bon, on va d'abord faire petit à petit et on verra. Hein. Pour le moment, on ne l'attend pas. On attend cette pute. On attend cette étoile. Alors là, le problème, c'est que... Elle est où, bordel? Alors, j'ai pas l'impression qu'elle soit là. Elle est là. Ok, c'est bien ce que j'avais pensé. Et en fait, faut aller là-dessus et aller directement sur l'étoile. Ok. Oh boy. Autant pour moi. Ok, bon, on sait ce qu'il faut faire, du coup. Oh my fucking god. Non! Oh, la perception 3D de merde. Elle m'a joué des tours. Ok, bon, c'est où aller, déjà. On la target, c'est déjà une très très good news. Ok. Voilà, vous avez compris ce qu'il faut faire. Non, en fait, mes perceptions 3D, en fait, quand ça tourne comme ça et quand la caméra est semi-plongée, je comprends rien. Ma perception 3D, elle me nique la gueule. Ah bah ouais, super. Génial, génial, vraiment génial. Bon, elle est facile pourtant, hein. Je sais pas pourquoi je galère pour rien, mais elle est easy, hein. Faut juste pas que mes perceptions 3D me niquent, quoi. Ok. Oh là là, mes perceptions 3D allaient me reniquer. Voilà, donc elle est là-bas. Hein. C'est bon, parfait, alléluia. La première, wow, on pense attaquer à la seconde. Ok. Alors si elles sont assez simples comme ça, ça me rassure un peu. Mm-hmm.
42e galaxie complétée. Bon, évidemment, du coup, on va aller en direction de la prochaine. Alors, je crois que la prochaine, si je dis pas de conneries, c'est avec la boule, l'esprit, évidemment. The Bulb. Merci de m'avoir aimé, Trail Galaxy, Planet Star, ok. Normalement, c'est l'épreuve de la boule. Alors ça, ça me rassure pas des masses parce que c'est pas exactement où on pourrait se situer, mais... ok, je regarde si ça s'enregistre très bien, on va essayer de voir. Green Star, donc Rolling Gizmo Galaxy. Voilà pourquoi ça me rassure pas des masses. Ok, on l'a attendu vers là, donc ça veut dire qu'elle est vers là. Elle est vers là. Je me demande s'il faudrait peut-être pas aller au truc et revenir à pied. Elle est là, on l'a vu. On l'a vu, oh what the fuck, qu'est-ce qu'il faut faire là, what the hell. Ok. Ah, on n'a pas de... Oh, me dites pas qu'il faut utiliser le slide flip. Oh putain, il faudra utiliser le slide flip. Ah non, c'est bon. Non, non, c'est bon, j'ai eu peur. Oh, ça, je m'en suis... Ok. Oh, j'ai eu peur parce que je voulais absolument pas utiliser le... utiliser le slide flip maintenant. Attention. Oh boy. Donc là, tout est à pied, en fait. Ok, on l'entend. Bah, sur le bémol, c'est qu'elle peut être de partout. Oh, oh. On peut pas s'agripper au bloc. On peut pas s'agripper au bloc, hein, j'ai l'impression. On peut pas s'agripper au bloc. Je me demande si on peut pas monter là directement. Attendez, là ça tourne pas normalement. C'est sûr que c'est un truc comme ça qu'il faudra faire. Oh boy. Ok, bon bah. Ok. Ok, ok, ok. Je crois pas que. Alors, on va essayer de pas monter sur le bloc. En fait, le problème c'est que là on peut pas régler la caméra comme on le souhaite. Vous voyez. Ça c'est un gros défaut. Alors, ça c'est bien parce qu'ici. C'est vrai que dans le niveau Orvania, on a plein de vie. Dis-moi qu'on peut régler la caméra là. Ouais. Alors là, non, c'est pas possible. Pas par ici. Ah, quoique. Quoique, quoique. On va aller voir ça de toute façon. Oh putain. Oh là là, mais quel con. Oh, j'ai même pas sauté correctement. Ok, alors, elle va être compliquée, celle-là. Celle-là, elle va être un peu compliquée. Surtout de savoir comment on la récupère. Ça, c'est la question à 100 000 euros. Oh boy. Ça, c'est la question à 100 000 euros, vous voyez. Allez. Parce que sur le bloc, c'est compliqué de monter. Ça m'a fait fille. Mon bébé d'amour. Ok, on va essayer de pas s'attaquer au bloc pour le moment. Peut-être le bloc, il faudra... Je suis sûr qu'il faudra monter sur le bloc parce qu'elle est tellement dans un endroit assez bâtarde que... Attendez, là, ça tourne pas, vous voyez. On peut. Ok. On peut. Cette surface là on peut. Oh boy. C'est sûr que c'est ça qu'il faudra faire. Voilà. Ah ouais, mais ça. Là maintenant la question à 5000 euros, on fait comment? Ok, en fait on peut toucher ça. Ok. Je pense qu'il faudra peut-être exécuter un triple saut là sur le bloc aussi. Hein. Ouais, je pense qu'il faudra exécuter un triple saut sur le bloc. Oh, oh boy, ok. Oh, du coup, ok, ça fait rien si on y va de façon normale. Et parfait, on a réussi. Il fallait servir de l'élan du bloc pour pouvoir y arriver. What the fuck. Oh, c'est génial. Ah, oh, cette Roomba qui est vraiment géniale.
Allez, plus que du coup loup. Alors maintenant c'est Glary. La première fois que Glary va les suicider, c'était chiant. C'était ultra long à faire. Donc on va voir à quoi ça ressemble maintenant. Hop, c'est parti. Alors, thank you for me, voilà, restore the pathway. Et c'est parti pour le loop du whoop, je crois, oui, whoop, un truc comme ça. Galaxy. Alors, je vous assure que... Voilà, loot des whoop, Galaxy Green Stars. Alors, elle est ouf, oh mon dieu, j'imagine, j'ai peur. On l'entend. Me dites pas qu'elle est encore derrière la cascade. J'ai pas l'impression qu'elle est derrière la cascade. Ah putain, je crois qu'elle est derrière la cascade. Ah non, elle est là. Ok, je vois ce qu'il faut faire. Oh boy. Oh putain. Y'a un mur invisible ou quoi? Peut-être faut avoir fini le parcours. Tac. No. On a dit c'est un truc comme ça qu'il faut faire, mais avec la caméra ça aide pas. Hein. Oh putain. Oh ok. Oh putain. Oh là. Oh 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 caméra. Oh my fucking god. Ok so. Hey fucking difficult. Bah, bon bah là, il aurait fallu atterrir sur le truc à hauteur pour pouvoir y accéder. Waouh, ça va être chaud là. Parce que si on atterrit là-dessus, on peut aller là directement, non? Je sais pas. Ah, mais fuck you. No way. Dégage. Ok. Ok, c'est celui-là que je voulais atterrir. Oh boy. Mais qu'est-ce qu'il faut faire là? Oh là là, oh là là, oh là là, caméra en plus qui aide pas. Ok, je viens de comprendre ce qu'il faut faire, c'est très bâtard. Oh là là, c'est ça qu'il faut faire, mais... Wouah, c'est chaud. Wouah, ce qu'il faut faire avec la caméra qui se retourne, mais c'est une dinguerie. En fait, une fois que t'es là-dessus, on a win, hein. On a une parce qu'on a juste à faire aller là-dessus, c'est bon. Ok. What the fuck. Oh putain, il me gonfle le mec de l'arrêt. Non, 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 oh là là, je savais que ça allait pas passer. Non. Non. Je le fais pas assez haut. Ok, c'est bon. Ok. Peut-être un triple saut, mais... Non, je pense qu'il faut se mettre, si possible, à l'endroit le plus haut. Voilà, le plus haut. Oh, putain. Avec la caméra comme ça. Donc, en fait, tu sais pas où il faut mettre le joystick. Oh là là, c'est chiant. Oh, putain, que c'est chiant. Oh, c'est... Ça va être une horreur. Oh, boy. Non. Ah putain. Tu vas pas. Ok, c'est bon. Ok. Parce que, évidemment, on peut pas comme ça. Eh oui. Donc la technique de... Et si on le fait ce côté-là, est-ce que la caméra nous aiderait pas, peut-être pas mieux? Ok, on a réussi sur ça, ok. Oh boy, là c'est de la bugle. Ok, alors là, je vois ce qu'il faut faire, mais comment vous dire? Alors, je suis plus apté à faire le triple saut qu'à faire le saut à longueur de l'autre côté. Oh my fucking god, the fucking camera.
putain, la caméra. En fait, j'aimerais bien faire un saut à longueur là-bas, mais... Non. Meurs. Meurs, Mario. En fait, il aurait fallu faire un triple saut. Mais faire un triple saut dans ces conditions-là, c'est... Ah, merde! Ok, on a activé le checkpoint. Alors, c'est pas volontaire. Bah, attends, vous savez quoi? On va mourir parce que de toute façon, on a zéro vie. Voilà. Oh putain, ça va être chaud. Alors, on a réussi à un nouveau PB. Ça veut dire qu'on a réussi à se rapprocher un petit peu plus de l'étoile. En fait, l'endroit il faut y réussir, c'est à faire un triple saut. Accéder à la boule là-haut. Et une fois que t'as la boule là-haut, normalement, tout est win. Donc, mais c'est chaud du cul quand même. What the heck? Putain, je pensais pas que ça allait être aussi chaud. Hein. Putain. On va y arriver. Ok. Windstar, ouais, bah oui, logique. Allez, c'est parti. Le triple saut, il est, c'est une horreur. Ok. Faire la même chose que tout à l'heure. Vu qu'on y est arrivé vers ce côté-là. Oh boy. Caméra. C'est bon. Ok, maintenant il faut réussir à faire le triple saut. Alors là, à la caméra comme ça. Oh, attendez. Il y a la technique aussi. Alors, c'est un peu... Qu'est-ce que je fais? Ouais, je... Oh là 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 là, c'est chaud. Waouh! Ah, mais c'est vraiment chaud bouillant en fait. Hein. Attention, elle ne va pas tomber. Attendez, et si on est en haut de cette boule? Ok, on est en haut de la boule. Est-ce qu'en haut de la boule, on pourrait faire des miracles? On va pas sortir de son contexte, mais... Ok, alors j'ai l'impression que c'est peut-être plus facile à faire le triple saut en étant sur la boule. Après, je m'emmerde peut-être pour rien. Peut-être... Non, mais non, on peut pas faire ça directement. Je sais pas si même avec un triple saut, ça passerait en fait, donc... Oh là là, la caméra. Putain. Putain, je savais même pas où j'étais avec la caméra comme ça. Mais du coup, j'ai validé le checkpoint alors que je ne le voulais pas. Je voulais mourir directement. Oh là là, ça va être une horreur cette galaxie. Oh, mais ça va être une horreur celle-là. What the fuck? Alors celle-là, je crois que ça, c'est celle qui va nous poser peut-être le plus de problèmes. Enfin, un des plus des problèmes, quoi. Parce que là, je vous avoue que... Je vois même, à part le saut à longueur bien exécuté. Le problème c'est que si Mario... C'est bizarre que quand j'ai tournoyé, Mario il a pas voulu se rattraper sur le truc. Je sais pas si c'est normal ou pas, parce que j'étais proche ou loin. C'est ça le problème. C'est que la caméra elle t'aide pas quoi. Oh my fucking god. Ok. On sent commencer à avoir l'habitude, ce côté-là. On tourne la caméra à peu près comme ça.
Voilà, ça maintenant on y arrive du premier coup. Maintenant il faut rester ici. Oula, oula, oula. Ok. Oh non, non, oula, caméra, caméra, caméra. Le problème c'est que avec la caméra, peut-être pas quoi. Oula. Voilà, ok, on a réussi à régler un peu la caméra. Ah mais là pareil. Oh là 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 là, comment tu veux faire pour aller là-bas par avec le saut à longueur quoi. Ah ouais mais j'y suis pas du tout. Dis-moi qu'on n'a pas validé le checkpoint. Dis-moi qu'on n'a pas validé le checkpoint. Oh putain. Ça va être une horreur hein. Alors c'est à mon avis c'est pas le saut à longueur. Alors si c'est peut-être si c'est le saut à longueur, ça veut dire qu'il faut le faire mais d'une violence, enfin d'une façon. Le problème c'est la caméra quoi. J'aimerais réussir à faire les triples sauts mais et encore je suis en train de penser même avec les triples sauts. On peut même pas se cogner contre la boule le côté de la boule. Parce que si on pouvait se cogner sur les côtés de la boule, ok, mais là on peut même pas. Oh boy. Are you fucking kidding me, Mario? Des fois il veut, des fois il veut pas, je comprends pas. Merci. Ok. Donc ok, caméra. Comme ça. Ça on y arrive du premier coup. Ça n'a pas une hitbox. Ah si, ça a une hitbox, ça voilà. Et pourquoi tout à l'heure ça n'a pas voulu marcher alors quand j'ai fait le truc là derrière. Vous avez vu, ça veut pas marcher sur ce côté là, je comprends pas. Faut le faire le plus haut possible. Je pense qu'il y a une hitbox dans lequel on peut l'avoir. Une fois que je l'ai trouvé, on a win hein. Là dessus, putain ça va pas remonter. Normalement il faut gagner un peu de distance quand même hein. Ça marche pas. Ça marche pas. Cette technique ne marche pas. On va essayer les triples sauts encore. Putain. Encore, je suis même pas sûr qu'avec les triples sauts ça passe quoi. Ah putain. Ok. Ah là là, la caméra qui veut pas se mettre. Ah là là. Parce que le saut en longueur, j'ai l'impression qu'il passe, il passe pas là-bas. De toute façon, qu'on arrive vers là, quoi. Donc, soit avec une forte distance, mais... Non non. Oh putain, bon bah on est mort. Déjà c'est. Il se confirmait, c'est mort. Ça va être chaud là, hein. Je vous le dis, ça va être très chaud. Surtout quand tu connais pas l'issue. Enfin quand tu connais pas la résolution du problème, vous voyez. Ouais bah d'accord, c'est pas passé.
C'est pas passé, donc ça sert à rien. J'allais dire par l'eau, mais non, même l'eau, on peut pas. Même l'eau, on peut pas, en fait. Même l'eau, on peut pas. Parce qu'en fait, l'eau le plus proche, en fait, c'est celle-là, en hauteur. Mais c'est trop loin. Donc même si, par hasard, on y arrive, ça passera pas. Attention, putain, j'arrive même plus à remonter, s'il te plaît. Ok, ça servira à rien. Non, j'ai... Ok. Ça c'est un mystère, hein, que cette boule là, j'arrive pas à avoir la hitbox pour pouvoir me cogner dessus. Attendez, je viens peut-être de trouver une solution. Ah putain. Ah bah là. Est-ce qu'il faudrait pas se servir de du moment où on monte comme ça légèrement pour pouvoir se mettre de l'autre côté? Problème c'est que, comment dire honnêtement, c'est chaud. C'est ultra chaud à faire, hein. Comment tu veux faire? C'est peut-être possible, hein, parce que tu te sers comme ça, tu vas doucement, tu retombes légèrement, et il faudrait que j'arrive à me cogner contre... Excusez-moi, contre la paroi, je viens de manger il y a pas longtemps en même temps. Contre la paroi. Donc si par hasard ça passe, c'est bon. Hein. On a win. Hein. On a peut-être trouvé une possiblement... Enfin, un possible résolution de problème. Voilà, pas trop. Voilà. Pas trop non plus parce que. Voilà. Ok. Vous avez vu? Alors, en fait, il faudrait faire un truc comme. Voilà. En gros, un truc comme ça. Vous voyez? Un truc comme ça. Mais il faudrait réussir à le faire un peu plus dans le vide, vous voyez? Et pendant ce temps-là, Mario arrive à tenir le cap. Donc... Ah boy. Non. Ça ne passera pas. Ce que je veux faire ne passera pas. Peut-être un saut à longueur, mais... Encore une fois, mais le saut à longueur, on l'a tenté 50 000 fois, hein. Ça le problème, c'est qu'on l'a tenté 50 000 fois le saut en longueur, donc... Oula, Mario, tu fais quoi? Non, mais non, tombe pas. Oh, c'est... Ça, c'est stupide, ça. Je vois pas ce qu'il faut faire d'autre. Oh, boy. Ok, wait. Il allait me refaire la même couille que tout à l'heure. Ah, pas trop non plus tourner. Voilà, comme ça. Ok. En fait, il faudrait arriver à aller de l'autre côté. Là, c'est un peu à l'aveugle. Ouais. C'est ultra chaud. D'ailleurs, si on va dessus, on peut pas aller dessus. Oh, what the fuck? D'accord, ça active le truc directement. Je voulais juste tester. Ok. Bon bah, au moins on est au courant. On est au courant ce que ça fait parce que je me suis toujours intrigué. Est-ce que genre on pouvait le piloter de façon libre comme ça ou pas? Mais non. Enfin si, mais du coup pas libre, on est obligé d'avoir le chrono. En fait, d'accord, je viens de comprendre. En fait, quand on Mario a le pied dessus, c'est ce qui déclenche le début de la course en fait. Ça active le trigger du début de la course. C'est chaud, hein. Je pensais pas que ça allait être un truc comme ça celle-là. Je sais pas du tout comment on va pouvoir la récupérer. Je n'en ai strictement aucune idée. Voilà, je vous le dis. Je n'en ai aucune idée.
Là. À part le triple saut, mais allez faire un triple saut là-dessus, quoi. C'est infernal comme c'est. Oh là là, mais putain, je passe à côté. Oh là là, maqué, maqué, maqué. Oh là là. Autant pour moi. Ah, ils sont là. Ok, on l'a. Allez. Pas trop non plus tourné. Là, je l'ai trop tourné. Voilà, là, c'est bon. Ok. Bon, il faut réussir à faire le triple saut, hein. Et encore, je suis même pas sûr qu'avec le triple saut, ça passe, mais... Putain, rien à rien. Il veut pas faire le triple saut, ce con. Wow, 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 wow. Calm down. Ça, ça va plus haut qu'un triple saut. Mais encore, je suis même pas sûr que... Oh putain, la caméra, caméra, caméra. Ça, c'est vraiment con. Faut pas bloquer la caméra, c'est vraiment idiot. J'arrive pas à faire le triple saut, hein. C'est infernal, hein. Oh, oh, ok. Putain, on n'a pas été assez rapide. Ah, oh, j'ai pas été assez rapide. Et là, j'arrive alors que je suis lent comme un escargot, quoi. J'ai pété mon crâne. Et avec la caméra qui t'aide pas. Ah, oh boy. Après, j'ai peut-être une autre solution. Mais elle est tout aussi risquée, hein. Pourquoi j'arrive pas à faire le triple saut? C'est... Non, mais c'est... On se fout de ma gueule, là, non? Non, ok. Le triple saut, c'est impossible. Ok, en fait, j'avais cette solution-là en tête, mais impossible aussi parce que c'est finalement trop loin. Donc, la solution du début, celle-là, était la meilleure. Mais... Non. Oh boy. Ok, il faut essayer le saut en longueur, il n'y a pas le choix. Il faut faire un putain de saut en longueur, mais vraiment, un 1-1 où tu pars du début et t'arrives à la fin, tu fais le saut en longueur pour pouvoir arriver jusqu'au truc là-bas. Mais c'est une horreur. Hein. Concrètement, c'est une horreur. Hein. Et il faut une putain d'angle de caméra parce que faire un saut en longueur sans angle de caméra qui... Oh boy, ready? Oh my fucking god. Si on n'arrive même pas à monter là-dessus, ça va pas le faire. Hein. Mm-hmm. Ok. Ok. Alors là, c'est ce que je vous ai dit, sur la longueur de fou. Le problème, c'est qu'à l'aveugle, quoi. Putain, la caméra, ça me gonfle, là. Comment voulez-vous jouer avec une caméra pareille, quoi? Non, il est fucking impossible, ok. En fait, il faut faire un saut à longueur. Mario, faut qu'il gagne beaucoup de vitesse. Mais putain, non, mais non, mais non, mais non, mais non! Oh là 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 là, mais c'est impossible, quoi.
Le pire, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à se rattraper sur enfin, à faire un sort de saut muraux, quoi. Mais l'endroit où c'est, tu peux, c'est pas une hitbox propice à faire un saut muraux, vous voyez. Là, parce qu'on a un angle éclaté. On a un angle éclaté. Oh, je vois pas ce qu'il faut faire. Je vois pas ce qu'il faut faire du tout. Peut-être aller à l'autre bout, mais même à l'autre bout, c'est impossible. Pour aller à l'autre bout, tu veux faire comment, toi, pour aller à l'autre bout? Ouais, parce que pour aller à celui-là là-bas. Mais même pour aller à celui-là là-bas, même sauter de là, ça servira à rien. Non, c'est que c'est mort ici, c'est que c'est mort. Ok, caméra. Ah bah ça je m'en doutais hein. Ah mais c'est la caméra quoi, elle t'aide pas. Attendez, si on est là, on fait ça et on essaye d'aller là. On fait ça. Le problème c'est qu'il faut arriver à se déplacer. Le problème c'est que la boule va me gêner, donc c'est pas la peine. Donc faire ce que je veux faire n'est pas très intelligent en soi. Putain, mais c'est impossible. C'est impossible. Je vois même pas ce qu'il faut faire. Je vois pas ce qu'il faut faire. Ah putain, je vais pas me faire ce backseat quand même, ça serait con. C'est une horreur. C'est une horreur. Oui, Mme Zeller, j'ai 14h13. Au cas où. C'est ma mère. Attendez, vous savez quoi? Pour savoir si ce que je fais... Mario Galaxy The Green Star. Pour savoir si est-ce que je fais est intelligent ou pas, ou est-ce que c'est pas du tout la bonne technique. Je veux pas me, voilà, je vais pas me spoil, juste pour savoir est-ce que c'est la façon intelligente à faire le truc. Est-ce que le gars il a l'étoile là-bas? Alors lui fait la course. Il a... J'ai pas envie de voir comment il attrape. Lui fait la course. Ok, on va faire la course hein. Bah je veux juste voilà, savoir ça. Bon du coup on n'était pas sur le truc. On va. Lui fait la course. Ok. Mais attendez, mais ça veut dire qu'il faut se jeter de... Mais tu peux pas. On sera jamais à... On n'y arrivera jamais à sauter là-bas. Attendez. Je ne sais pas spoil sur le truc, hein. C'est juste parce que voir si le mec... Est-ce qu'il a activé la course ou pas? Ben oui, il active... Oh, ouais, d'accord, ouais, d'accord. Pff, ouais, d'accord, j'arrive même plus à être concentré. Le mec, il active la course. C'est pas normal, il y a un problème. Mais est-ce qu'il a fini? Est-ce que... Parce que normalement quand tu finis cette course, au cas où vous avez vu, il y a un anneau étoile là-bas. On peut servir de l'anneau. Oh là là, mais bordel de merde! Oh là là. Lui active la course, donc du coup, est-ce que l'anneau étoile là-bas pourrait m'aider? Non, non, l'anneau étoile là-bas, ils vont que sur les différentes plateformes. Donc, je vois pas comment je peux y arriver. On va se mettre bien en vie. Hein. Oh putain, attention. Il faut comprendre un peu comment on peut l'avoir. Ah, peut-être comme ça, non? Ah, jamais que ça passe ici. Jamais de la vie ça passe. Hein. Donc, c'est clairement pas ici qu'il faut aller. Hein. Jamais ça passe ici. Hein. Oh. Et attendez, ça peut passer la main? Je sais pas si c'est ici ça peut passer. Bon, on va faire la course normalement.
On va voir, ok, il y a un point dans lequel on peut essayer d'y arriver. Bon, lui, c'est un peu mort. À mon avis, c'est ça, c'est pas pour rien. Attends, on va essayer, de toute façon. Il tente à rien, n'a rien. Oh putain. Oh putain, c'est un truc comme ça qu'il faut faire. C'est un truc de psychopathe cette étoile. C'est un truc de psychopathe cette étoile. Et encore, je suis même pas sûr que c'est ça. Est-ce qu'il faut peut-être pas partir par le truc là-haut? Ok. On va quand même suivre la course. C'est un truc de psychopathe cette étoile. Oh là là, mais putain. Oh, j'arrive pas à être concentré. J'arrive pas à être concentré. Ça fait 41 minutes, hein. Putain. Je pensais pas qu'on allait avoir autant de difficultés pour celle-là. Hein. Non, il y a un autre côté, hein, mais à l'autre côté, on peut essayer, hein. Côté là. Ah, d'accord. Oh my fucking god. Alors, je sais pas si c'est ce côté-là qu'on peut... Alors, ce côté-là, on était quand même plus proche que l'ancien côté, hein, quand même, donc... Il y a une probabilité que ce soit ce côté-là, hein. Mais il faut juste gagner énormément de vitesse et sauter au bon endroit, quoi. Le problème, c'est qu'avec les vagues, c'est un peu random, donc en fait, si on y arrive, c'est un peu de la chance, quoi. Oh. Oh putain. Oh putain. Oh là là, ok, on a trouvé la solution. On a trouvé la solution. Oh merde, je vous colle là. Bah oui, je vous colle là. Ok, bon, je me suis failli. Ok, on a trouvé la solution. On a trouvé la solution. Ok, bon. Chaud. Très chaud du cul, ça là. Mais c'est par là-haut. C'est par la première truc qu'on a vu qu'on peut y aller. Attention, j'aurais testé, hein, si... On aurait pas réussi au bout de 10-15 minutes la zone où je voulais à faire avec le... Oh, j'aurais pu. À faire avec le saut à longueur, là, vous voyez, avec les différentes boules et tout. J'aurais démarré la course pour savoir s'il n'y avait pas de moyen d'y aller. Donc, en fait, au final, ça nous a fait juste gagner 10-15 minutes de la vidéo, c'est tout. Mais sinon... Enfin, tout dépend si on aurait réussi à l'attraper ou pas. Parce que je sais même pas s'il y a une possibilité de l'attraper réellement avec le truc. Donc bon. Bon, c'est bien, ça nous fait plein de vie. On en a besoin pour l'épisode prochain. Ok. Donc là, on y va. Putain, j'ai le seum. Hein. J'ai un seum immense. Parce que je crois qu'on n'y a jamais été aussi proche. Hein. Comment va-t-on y arriver? On y retourne. Ok. Le problème, c'est qu'avec la caméra, ça aide pas, quoi. On a une caméra de merde. Non, mais il faut le dire, on a une caméra de merde. Oh boy. Ah bah là, alors là, c'est un peu mort, mais bon, on peut tenter. Oh boy. Oh putain, c'est impossible. Comment tu veux y aller? Pourtant, honnêtement, on se rapproche. En fait, le problème, c'est que la boule, elle a une hitbox abusée. Donc en fait, le problème, c'est que pour réussir à passer outre la boule, c'est compliqué. Et pas trop la dépasser parce qu'elle est vraiment proche de l'endroit où il y a la boule. Donc c'est-à-dire, faut vraiment sauter
de façon what the fuck quoi. Oh, oh non non non. Oh putain. Bon bah on y retourne hein. Aïe 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 aïe. Pam 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 pam. C'est une horreur cette putain d'étoile. Ça devient n'importe quoi cette putain de roumac. Je vais péter les plombs totalement. Parce que ce roumac me fait entièrement péter les plombs. Oh on a tellement été haut quand on a rebondi. Hop. Ok. Oh putain. Ah d'accord. Ok. Allez, on y retourne. Putain, plus j'estime les vies, quoi. Attendez, on va essayer un truc. Pour savoir où aller exactement. Elle est proche d'ici. Ok. Ah, j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être se mettre à ce côté-là pour éviter de se manger la boule. On va essayer de trouver la méthode. Ok. Ah, oh, bien joué. Bien joué à Zurich. On y était presque, mais on a trouvé une possible méthode pour y la réussir. Pour la récupérer, mais pareil, tout aussi chaude. En plus, il faut faire un demi-tour. Laisse tomber sur le truc. Oh, sérieusement, j'esquive la vie. Je vois pas comment on va réussir à la chauffer, je le dis. Là, il va y avoir un problème. Waouh. Regardez en cam au niveau de minutes de l'épisode. On est. Hop, ok. Ok, en fait on a trouvé une méthode, c'est se mettre comme ça. Ok. Sauter droit, ok. Oui, yes. On l'a réussi. On l'a réussi, putain. Yes. Enfin, you got a star. Ben écoutez, après presque 3 quarts d'heure, même pas presque 3 quarts d'heure tout court, on va pouvoir ben, s'arrêter là pour cet épisode. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode et du coup numéro 15 normalement de notre aventure 100% sur Super Mario Galaxy 1 The New Green Stars. Dans l'épisode numéro 16, on continuera notre aventure dans lequel on continuera tout simplement le dôme cuisine dans lequel on essaiera de le terminer. Il nous reste plus que 3 étoiles, si je dis pas, 2 étoiles, pardon, 2 étoiles. Donc on essaiera de terminer ce dôme cuisine dans l'épisode prochain. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro numéro 15. Et on se dit à l'épisode numéro 16. Putain, elle aurait été compliquée cette étoile. Hein. Il y en a, il faut putain se creuser. Hein. Et encore, je pense qu'il y aurait moyen quand même. Hein, avec le soir longueur. Et tout à l'heure, je suis sûr que j'ai été proche sur le rebord. Parce que le Mario il a pas fait un truc du tournoiement d'habituel. Mario quand il tournoie proche d'un bord, je vais vous montrer. Mario quand il tournoie proche d'un bord, regardez ce qu'il va faire. Oh alors non. Attendez, je vais vous montrer réellement. Mais hop. Ah oh, putain, évidemment c'est le moment où je veux le faire, c'est que toujours ça de toute façon. Voilà. Mario il fait ça. Mario en fait normalement il fait un truc. Si ça marche pas. Ou vous voyez, c'est le genre de. Où il commence à poser légèrement le pied, puis après finalement il part dans le vide. Voilà, en fait, c'est un truc comme ça, mais normalement Mario il part un peu dans le vide. Et tout à l'heure ça me l'a fait. Donc je pense que c'est. Il y avait une probabilité pour que je la récupère comme ça en fait. C'est juste qu'il faut avoir un putain d'endroit pour sauter. Je pense que vraiment c'est un saut ultra précis, j'aimerais bien vous le montrer. Mais. Voilà, c'est un truc comme ça, vous avez vu? Bon, là on s'est rattrapé sans le voir, mais d'habitude on se rattrape pas. C'est un truc à peu près légèrement comme ça, et après Mario il tombe. Et on l'avait fait ça tout à l'heure. Donc je pense qu'il y a des moyens de l'attraper comme ça. On était certainement. Et en plus c'était dans les.
peut-être 2-3 premières essais quand on a essayé de faire le truc, donc on aurait pu l'avoir en début d'épisode, je suis dégoûté. Mais bon, du coup, écoutez, merci de m'avoir suivi pour cet épisode, et on se dit à l'épisode 16, dans lequel on essayera de terminer le dôme cuisine. D'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde, hey, peace.